Salut tout le monde, nous avons des nouvelles passionnantes pour vous aujourd'hui. Nous allons parler de lieux de rassemblement. Pour réussir, un lieu de rassemblement doit être dirigé par la prêtrise. Le lieu de rassemblement commence donc par la décision de votre président de pieu ou de district concernant la nécessité d'un tel lieu qui est soumise à l'approbation de la 70. Le président de pieu détient les clés et dirige le lieu de rassemblement. Après approbation, votre président de pieu appellera un représentant et une représentante des jeunes adultes seuls de pieu si vous n'avez pas déjà. Le président de pieu ou son conseiller demande ensuite à chaque paroisse d'appeler des représentants et des représentantes des jeunes adultes seuls qui feront également partie du comité des jeunes adultes seuls avec d'autres représentants de pieu. En travaillant ensemble sous la direction du président de pieu, le comité détermine ce qu'il doit se faire au lieu de rassemblement. Et le divertissement commence. Et voilà, le lieu de rassemblement est créé. Vous avez le soutien des clés de la prêtrise, un bâtiment pour vous réunir et un comité pour vous exécuter le travail. Maintenant, tout ce qu'il vous faut, ce sont des gens. C'est peut-être là que les rafraîchissements entrent en jeu. Ce sera un vrai enjaillement, mes amis. Au fur et à mesure que votre comité de jeunes adultes de pieux apprend à mieux connaître vos besoins, au moyen de discussions et d'enquêtes, il consulte la présidence de pieux pour déterminer le coût et les activités qui répondront le mieux à ses besoins. Grâce à la première présidence, d'autres ressources arrivent. Quand vous les recevez, votre comité de jeunes adultes seuls de pieux peut augmenter le programme offert au lieu de rassemblement. Engagez-vous et apportez votre contribution pendant que votre lieu de rassemblement se développe. Ce faisant, le comité de jeunes adultes seuls de pieux, en concertation avec le président de pieux, peut continuer à réévaluer les programmes offerts pour qu'ils correspondent à vos besoins. Écoutez, il n'y a pas de bonne manière d'organiser votre lieu de rassemblement. Les programmes sont flexibles et variés et dépendent de ce dont vous avez le plus besoin pour vous aider à réussir. Au fur et à mesure que vous vous réunissez et que vous vous entraidez dans votre lieu de rassemblement, celui-ci grandira et s'épanouira et servira des ressources merveilleuses conçues spécifiquement pour les besoins des jeunes adultes seuls de votre pieu. Donc les gars, venez, invitez vos amis et ressentez la force qui émane du rassemblement. Lorsque vous et vos amis participez, vous pouvez renforcer vos témoignages, accroître vos compétences, vos opportunités et vos désirs de servir le Seigneur. Vous y trouverez plus de possibilités d'emploi rémunérés. Tout cela renforcera votre confiance en vous, ce qui augmentera vos chances de sortir avec quelqu'un et de vous marier. Venez découvrir les bénédictions qui vous attendent dans votre lieu de rassemblement. Vous ne les saurez peut-être jamais. 16 mai 2021, la première présidence a approuvé la création des lieux de rassemblement pour les jeunes adultes seuls en fonction de votre besoin de l'interrégion. Ils ont défini un lieu de rassemblement comme un endroit désigné au sein d'une installation existante telle qu'une église ou un bâtiment d'institut où les jeunes adultes seuls et leurs amis peuvent se réunir. En octobre 2022, un projet pilote de lieu de rassemblement a été mené dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Le 10 février 2023, après avoir examiné les conclusions du projet pilote, la première présidence a approuvé l'envoi des ressources suivantes au PIO et au district dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Internet à haut débit, ordinateur, logiciel et un endroit sûr pour les conserver. Rafraîchissement, équipement de formation aux compétences, machines à coudre, menuiserie, etc. Matériaux pour la formation aux compétences comme les tissus, du bois, etc. Le jour de la Saint-Valentin, pour exprimer son amour pour les jeunes adultes seuls, la première présidence a finalisé le budget et la distribution progressive a commencé en mars.